This is Metal Switch Up. Switch Up. Je suis maintenant en compagnie de Nicolas Baudin qui a été repêché en troisième ronde au 39e rang par les Voltigeurs de Drummondville. Nicolas, j'imagine très, très content du résultat. Oui, c'est sûr, je suis très content. Une belle organisation aussi. J'ai été très bien accueilli par tout le staff, puis je suis vraiment heureux. Et là, tu vas connaître au moins une personne du côté de Drummondville, alors que William Poirier aussi a été sélectionné un petit peu plus tôt par les Voltigeurs de Drummondville. Oui, c'est sûr que ça va aider. Je ne vais pas arriver là stressé en connaissant personne. Je connais aussi deux autres gars de d'autres équipes, mais c'est sûr que ça va aider. Là. Nicolas, est-ce que c'est une équipe qui t'avait démontré de l'intérêt au cours des derniers jours? Oui, c'était dans le top 3 des équipes qui m'avaient démontré de l'intérêt. Fait. En même temps, j'étais un petit peu surpris, mais j'étais un petit peu surpris, mais pas tant que ça. Parce qu'il m'a démontré beaucoup d'intérêt. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas apporter justement aux Voltigeurs de Drummondville si tu réussis à te tailler un poste avec leur formation? C'est sûr que je suis un défenseur offensif. J'ai beaucoup de vitesse. Alors, c'est sûr que je vais amener de l'offensive, que ce soit sur le powerplay ou à 5 contre 5. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines, tu vas travailler très, très fort pour t'entraîner. Est-ce que tu as des choses précises auxquelles que tu veux travailler? Est-ce que tu as peut-être un peu plus de masse musculaire de ton côté? Oui, c'est sûr que la masse musculaire, je vais travailler là-dessus pendant tout l'été. Je pèse 160, je vais essayer 170 pour le début du camp. Comment tu entrevois justement ton aventure avec les Voltigeurs de Drummondville? Bien, c'est sûr que cette année, en ayant gagné puis tout, je vais avoir de l'expérience. Mais je veux surtout au camp aller chercher de l'expérience, puis pas mal ça. Là. Parle-moi justement de l'expérience que tu as acquérie avec la conquête de la Coupe Jimmy Ferry et aussi de la participation à la Coupe TELUS, parce qu'on sait pour la majorité des joueurs, peut-être de la formation des Grenadiers, c'est le plus gros événement que vous allez avoir fait de votre carrière de hockey. Ouais, les vétérans aussi, cette année, nous ont bien entourés. Alors, j'ai pris beaucoup d'expérience sur eux, surtout comme un gars, comme des gagnés. Il m'a bien parlé, comme des fois à Coupe TELUS, j'étais peut-être stressé un petit peu, mais c'est juste à cause qu'on avait beaucoup de vétérans, c'est là que j'étais allé chercher de l'expérience. Nicolas, merci beaucoup, félicitations. Alors, c'était Nicolas Baudin qui a été repêché au 39e rang par les Voltigeurs de Drummondville en troisième ronde du repêchage de la LHJMQ 2015.